Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Mesdames et messieurs, Monsieur Ian Leysen, vice-président du Marshall, German Marshall Fund des États-Unis d'Amérique. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un énorme, immense plaisir d'être de retour ici au Dialogue Atlantique lors de ces sessions absolument enrichissantes. Alors, cette session va se pencher sur une thématique qui a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs débats ici au Dialogue Atlantique pour une bonne raison. D'ailleurs, et aujourd'hui, nous allons parler en profondeur du lien entre la migration, l'économie et la sécurité. Ce n'est peut-être pas exagéré de dire, je suis basée à Bruxelles, et à Bruxelles, c'est tout à fait clair d'ailleurs, on n'exagère pas si on dit que cette question est certainement une des questions les plus animées dans la politique et le débat. Et je dirais, dans le Nord, étant donné que nous travaillons dans le Sud, c'est peut-être une opportunité. That, but if I could, to start us off, if I could bring in our panel. And as you'll see, we have a comme vous le constatez, nous avons un très bon groupe avec des perspectives intéressantes, très intéressantes. Je souhaiterais vous les présenter en commençant à ma gauche, Paolo Magri, qui est directeur exécutif et directeur de l'Institut italien des études politiques. We have Khalid Zerouali. Khalid Zerouali, directeur et gouverneur et directeur au sein du ministère de l'Intérieur, des Frontières et de la Sécurité. Nous avons également M. Jedu Asakwe, négociateur nigérien, qui a également un autre avis sur la question. Et puis, général Sabine, directeur des programmes au sein du commandement américain, africain. En Afrique. Nous avons beaucoup parlé dans la Green Room, mais je commencerai par vous demander de faire quelques commentaires sur les éléments suivants. Le discours politique et le discours militaire, cette question migratoire est présentée comme une crise majeure. Cela,
en fait, nous donne l'impression qu'il va falloir en fait gérer cette crise et qu'il s'agit de gestion de crise. Alors, toutes ces questions de sécurité, d'emploi, etc., en dépend. En fait, les gens qui regardent cette question de manière plus attentive, il y a peut-être là d'autres défis dans la relation entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors, pensez-vous qu'il faut des questions structurelles pour traiter de cette question? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai deux problèmes avec la terminologie utilisée ici. Nous évoquons souvent le terme « crise » et « émergence » en opposition à la question structurelle. Et très souvent, on évoque souvent et fait mention de la crise migratoire européenne. Je souhaiterais partager avec vous une forme d'embarras dans la définition et la description de ce phénomène comme une crise européenne. Nous, les Européens, nous sommes une des parties du monde, des régions du monde les plus riches. Nous avons plus d'un milliard de personnes ou un demi-milliard de personnes eh bien, vivant sur ce continent. Nous avons reçu 2 millions de personnes sur les 20 millions de migrants dans le monde et sur les 60 millions de personnes, y compris les personnes déplacées. Tout le reste va dans d'autres régions du monde, disons-le, et l'Afrique étant une des régions récipiendaires les plus importantes, dans des régions peut-être plus faibles politiquement, économiquement. Et on continue à parler de crise migratoire européenne. Ceci étant dit, et je terminerai là-dessus, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, cette non-crise, car elle est structurelle, et crise non européenne, est la question clé dans tous les débats électoraux et politiques en Europe, les élections. Et cela rend impossible, eh bien, pour les Européens politiques, les politiques européennes, de l'appréhender comme une question structurelle qui requiert des réponses à long terme. Monsieur Chaitou, je voudrais peut-être vous poser la question suivante. Si nous faisons face à ce type de situation évoquée par Paolo, nous faisons face également à une situation dans laquelle, ou dans le contexte duquel les Européens sont plus fermés et moins enclins à la mobilité. Alors, comment justement encadrer cette équation vu la grande crise? Le Nigeria, par exemple, est une source majeure de migration vers l'Europe. Alors, on parle souvent de solutions économiques comme solution, mais il y a également quelques éléments à apporter. Plusieurs choses, je dirais. Tout d'abord, la série des échanges ou des négociations commerciaux qui sont en train d'être négociées aujourd'hui, qui pourraient contribuer à apporter des solutions au conflit migratoire ou à cette migration à moyen long terme de manière structurelle. Alors, tout d'abord, ce que nous essayons de faire dans la région de la CEDAO, donc renforcer et approfondir l'intégration régionale. Si vous voyagez entre le Lagos et les frontières avoisinantes, nous avons 50 ou 60 points de sortie. C'est réellement scandaleux. Il y a un protocole qui devrait être mis en œuvre et le gouvernement du président tente d'appréhender cette question, notamment sur l'amélioration du monde des affaires. Et les résultats sont en train de donner des... Donc, tous les résultats sont en train d'être prometteurs. Nous devrions effectivement compter sur cette amélioration, mais beaucoup reste à faire. Dans le continent, de manière générale, c'est peu connu, mais ça doit être plus dit. C'est qu'historiquement et traditionnellement, au sein de l'Union africaine, nous tentons d'établir pour la première fois un marché unique pour les biens et services. Et là,
Le point concerne les services avec un protocole qui serait inclus pour la mobilité, la circulation des personnes. Alors, plus les personnes ont la capacité de circuler parmi les frontières, cela et les services et les produits, et puis cela donc pourrait avoir effectivement un effet positif sur le développement économique. Et puis, d'autres aspects seraient le mouvement des personnes physiques. Alors, est-ce que les frontières sont bien outillées pour faire passer et transférer ces compétences par les frontières, mais également ceux qui n'ont pas les compétences pour essayer de trouver des niches de marché où leurs services seraient et bien nécessaire. Et là encore, il faut mettre en place une coopération internationale pour le commerce et les services au niveau domestique, national, au niveau sous-régional et au niveau continental et au niveau mondial. Si je peux répondre à cela, rebondir, y a-t-il la possibilité d'avoir une vraie mobilité effective ou un accord consigné entre le Nord et le Sud dans le cadre de la mobilité qui pourrait sécuriser l'emploi, fluidifier les échanges, le transfert d'argent et régulariser le flux migratoire? Est-ce que ce sont des choses qui pourraient fonctionner? Oui, en principe, oui, je dirais, mais vous savez, le diable est dans le détail. L'économie reste assez étroite et assez fermée. Le Nigeria, par exemple, c'est difficile de dire, à croire, mais disons la deuxième source justement de fonds pour le Nigeria, eh bien, ce sont justement ces transferts d'argent par la diaspora nigérienne. L'économie et la dynamique économique est essentielle. Encore une fois, le diable est dans le détail. Et c'est la raison pour laquelle nous devons mettre en place des politiques migratoires en étroite relation avec la circulation des gens et des personnes. Et tout cela est lié à la sécurité. Alors souvent, on dit plus il y a de la sécurité, plus effectivement il y a de l'intégration économique et régionale, mais ça ne marche pas toujours de cette manière. Beaucoup de politiques migratoires, eh bien, sont essentiellement mises en place de manière hostile à la mobilité des gens. Et puis, il y a cette exigence démographique liée à l'économique en Europe. Et puis, il est souvent dit, avancé, que l'Union européenne ou peut-être veulent le travail, mais pas les gens. What voters think in Europe, they would have been scared by the first part of your comments when you said that you are improving an open mobility among countries. Because what, in the short-term view that the voters and the government have, what they are looking for is a cooperation which involves you having more border control than having more free movement of people. And by the way, not only words, not only feelings, but what we are doing in the so much trumpeted Marshall Plan for Africa that Europe is presenting also with a strong contribution from Italy, there is not much money. And the money spent so far with a few transit countries has been 67%, has been utilized to pay and to buy equipment for border control. Mm-hmm. This is what has been is required by government. But let me get on your second issue quickly. The economics of migration. It depends on which stakeholder, which part of the system we look at. If we look at the global impact of migration, it is definitely positive. Migrants represent 10% of the global GDP, and that's good. Mm-hmm. It's important. It's more or less double what they would produce if they stay home. But then we have to look at single countries. If you look at countries which receive country of destination,
Let me take the case of Italy. There is an equal contribution by migrants to their quota in the population. 10% of Italians are born abroad, and they contribute for 10% of the GDP. But if we look at GDP per capita, which is what is relevant for voters, there is a meta study out of 26 different studies, which says that the implication of migration on GDP per capita in northern countries, Europe, is neutral and in some cases negative, because they change the labor market for the weakest part of the labor market. And even in fiscal terms, very often there is this narrative that migrants are very positive for the national income of our countries, European countries. It's true if migrants are regular. But if a migrant is regular, there is a positive impact on the fiscal income in the first year. If it is not, it comes later. If it is a forced migrant, asylum seeker and refugees, there is a negative implication for 10 years. Take the case of Italy. We spend for refugees and migrants 5 billion per year, and we get a contribution from the European Union for 200 million. So this is the last point, very quickly. For country of origin, the impact seems to be positive. L'impact paraît être positif au titre des virements, 530 milliards par an. Mais récemment, une étude menée par McKinsey qui concerne les impacts à moyen terme et la perte causée par les migrants sur le PIB représente quelques 300 millions de milliards par an. Nous n'en avons pas en fait une image très claire. Il faut prendre en considération plusieurs éléments. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que ceci n'a pas réellement d'effet sur la masse électorale. Les électeurs ne voient en fait tout simplement que l'immigration, ou bien la migration, représente un phénomène négatif, sans prendre en considération l'impact positif que ceci pourrait avoir sur les PIB des pays. Alors je parlerai maintenant aussi des frontières, mais auparavant, pour traiter d'un point économique qui relève du domaine économique, la faille de la prospérité au travers de la Méditerranée, en fait, et aussi entre le sud de la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, est la plus grande faille, la plus large faille. C'est une faille structurelle qui n'est pas susceptible de disparaître dans les temps présents. Mais y a-t-il d'autres processus ou bien d'autres efforts ou bien d'autres dynamiques en action qui pourraient changer cette équation? Par exemple, les changements au niveau de l'industrie de fabrication avec l'avènement de la robotisation qui réduirait une demande en ce qui concerne la demande en ce qui concerne la main-d'œuvre régulière en situation régulière. Est-ce que la technologie va causer une telle différence? Je dirais que la technologie, de toute évidence, causerait une très grande différence. Je ne pense pas que, au vu des variables telles que le commerce, mobilité, population, technologie, il y a plusieurs variables qui sont intimement liées. Primo, vous avez la gouvernance, la bonne gouvernance au niveau municipal, revêt une importance absolument critique. Vous avez aussi la création de partenariats. C'est indispensable. Tertio, nous avons besoin d'une plus grande coopération internationale plutôt que moins. Il y a le monsieur qui avait parlé lors d'une session précédente par rapport à l'importance de la justice, de recours qui rétablirait les qualités dans nos sociétés. Et la technologie revêt une importance critique. Ce n'est pas l'une des plus grandes ou principales locomotives de la croissance, mais je dirais que bien que notre commerce est en train de connaître des transitions, il faut penser au secteur de fabrication ou des secteurs industriels intégrés qui devraient être connectés au paysage mondial, là où la production, le commerce et la technologie ont été combinés ensemble. Je pense que
il faudrait prendre une, ou développer une perspective à 360 degrés ou bien tridimensionnelle de ce dont on parle. Bien sûr, la technologie prendrait en considération certains éléments tels que l'allocation de ressources intersecteurs et surtout pour bénéficier aux secteurs qui connaissent un déclin. Oui, merci infiniment. Maintenant, j'aimerais passer, si vous le permettez, à la partie de sécuritaire de cette équation. Khaled. Le Maroc se trouve aussi au cœur de ce système migratoire. Vous êtes un pays d'origine, un pays de transit, un pays de destination. Vous travaillez de manière très étroite avec les Européens en ce sens et vous avez des défis au niveau de vos frontières maritimes et terrestres. Quelle est la dynamique que vous êtes en train de, que vous pensez être mue par de tels phénomènes? J'aimerais dire quelque chose. De nos jours, nous avons quelques 340 millions de migrants de par le monde. 80% sont en situation régulière et ne posent aucun problème aux sociétés d'accueil. Les 20% restants représentent des défis. Et lorsqu'il vous faut gérer les risques, il faut gérer les impacts créés par ces 20%. Donc si vous aimeriez bien profiter de la migration, il nous faut gérer les impacts négatifs qui sont générés par cette masse de 20%. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il y a crise. C'est quoi une crise? C'est une urgence qui n'a pas été abordée de manière idoine ou dans les temps. Les 20% qui représentent ce défi ont des liens avec la criminalité internationale organisée en zone subsaharienne. Il ne fait aucun doute que Daesh, Al-Qaïda et leurs groupes affiliés prennent ou bien profitent de la migration. C'est financé. Lorsqu'Al-Qaïda a choisi d'opérer dans la zone du Sahel, ils avaient besoin d'argent. À ce moment-là, Al-Qaïda devait avoir besoin de quelques 2 millions d'euros par mois pour payer pour sa logistique et ses salaires. Et de là, ils ont commencé à enlever des touristes et aussi à opérer dans le trafic de stupéfiants. Et ils opèrent des flux migratoires. Par exemple, la route des migrants au travers de la Libye, ils font passer quelques 4000 migrants par semaine. C'est beaucoup d'argent. Et ceci génère quelques 500 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Je ne parle pas du trafic de personnes, juste du trafic de migrants. Le trafic de personnes représente à peu près 500 milliards. Quand vous avez des criminels qui disposent de telles ressources, ceci veut dire qu'ils disposent de technologies, de moyens qui défient les États. Et le Maroc est fier d'être le seul pays dans la région à disposer d'un système de sécurité cohérent et de disposer de la technologie nécessaire pour faire avorter les activités engagées par les réseaux de trafic de personnes et aussi pour lutter contre le terrorisme. Il est clairement établi de nos jours qu'il existe un lien. Notre préoccupation de nos jours, c'est le retour de ces combattants qui se sont rendus en Syrie et aussi en Libye et en Irak pour rentrer ici et mener des attaques terroristes. Je ne dirais pas que la migration est le terrorisme, mais il y a certainement une intersection dans le cycle de migration, au transit et au retour. Nous avons pu voir que dans certains camps de réfugiés, il y a des espaces de radicalisation. Et il nous faut être extrêmement prudents en assurant la sécurité des frontières, mais tout en recueillant le renseignement nécessaire pour qui nous permettrait que ces flux migratoires ne soient pas vecteurs d'intérêts criminels. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être peut-être le seul pays de la région qui dispose d'une stratégie cohérente pour la sécurité aux frontières, mais aussi le seul pays du Sud, dirais-je, qui a clairement compris que pour profiter de la migration, il faut assurer la sécurité de l'État,
des nationaux marocains et aussi des migrants qui se trouvent dans ce territoire. C'est ainsi qu'en 2013, Sa Majesté avait décidé que l'on devait en fait déclarer une amnistie pour tous les immigrés en situation irrégulière. Et du fait que vous déteniez un titre de séjour, ceci veut dire que vous êtes protégé. Donc cette dichotomie en termes de sécurité qui soit stricte contre les criminels et aussi tout en assurant la sécurité des migrants ici. En ce qui concerne la migration, la diaspora, vous avez une grande diaspora marocaine. Je ne dirais pas que tous les risques en ce sens passent du nord au sud. Vous faites aussi partie de la plus grande radicalisation. Vous avez le flux de personnes, d'idées, d'activités du nord vers le sud. Et comment est-ce que vous percevez un tel phénomène? Comment est-ce que ceci est pris en compte dans votre stratégie? Il y a une initiative inspirée au Maroc. Nous avons une diaspora dont nous sommes très fiers et qui représente un excellent vecteur de promotion d'un islam tolérant en Europe. Mais l'idée est comment est-ce que l'on peut œuvrer pour atteindre des solutions gagnant-gagnant ou qui représenteraient une réussite pour les partenaires, surtout quand vous êtes dans des pays où le cadre religieux est plutôt décousu, les personnes ou les communautés sont exposées à des doctrines radicales qui rendent le recrutement facile. Ce qui explique que ces gens vont en Irak et en Syrie pour se rallier les troupes de Daesh et que ces gens-là sont surtout d'Europe. Nous avons suivi de très près le phénomène du djihadisme européen et où celui-ci représente un risque, car c'est la composante qui est la moins susceptible à être détectée, car elle ne se conforme pas au stéréotype du, entre guillemets, djihadiste. Mais dans deux ou trois cas, nous avons réussi à dissuader l'entrée de certains djihadistes européens. Oui, je peux dire aussi que le plus grand contingent de combattants étrangers proviennent du Caucase du Nord. Oui, pardon. Je suis entièrement d'accord. Lorsque l'on parle de sécurité par rapport à une telle question, il faut mettre dans le cadre la sécurité des migrants. Parce que lorsque l'on parle d'attaques terroristes, un phénomène terrible, je parle de l'Europe, qui n'a engagé en fait que quelques centaines de personnes, mais vous avez aussi des milliers de personnes qui meurent lors de leur déplacement d'un pays vers un autre. Dans mon pays, nous n'avons heureusement pas eu d'attaques terroristes jusqu'à présent, mais la Libye est un pays d'importance critique et les migrants passent via la Libye pour se rendre en Italie. Et ceci ne pourrait pas exclure le fait ou la probabilité qu'il y ait quelques combattants étrangers dans le flux des migrants. Mais tenons-en-nous aux chiffres. On a travaillé sur cette question dans notre centre de recherche pour suivre l'évolution du nombre de personnes impliquées. Et jusqu'à présent, nous avons eu 40 personnes, 40 attaques en Europe, 65% ont été impliquées. Et sur les 65, il y avait 8 migrants, 12% en d'autres termes. La plus grande majorité, c'est les pays qui sont originaux du pays concerné et des immigrés de deuxième ou troisième génération. Certains disent que si vous permettez l'entrée de ces migrants, leur deuxième ou troisième génération serait des terroristes. Mais le problème, c'est l'intégration, c'est la qualité de notre politique d'intégration. Et c'est là une considération totalement différente. Vous voyez, nous sommes en train de traiter d'une relation ou d'un équilibre fort complexe et très délicat entre l'économie, la sécurité et la migration. Ma perspective, c'est que même à terme immédiat ou moyen, la balance doit pencher
lourdement en faveur du développement économique et commercial. Si nous ne sommes pas en mesure d'approfondir la coopération, si nous ne sommes pas en mesure d'élargir ou de faire agrandir nos marchés en réduisant les obstacles au commerce, si nous ne sommes pas en mesure de créer davantage d'emplois, vous pouvez construire des murs qui atteindraient les cieux. Vous pouvez avoir des systèmes de sécurité aux frontières qui utiliseraient toute arme imaginable. Ça marcherait. Mais comme développer la meilleure ressource serait en fait un effort fait moindre. Savez-vous qu'en Afrique, on aurait besoin d'à peu près 20 millions d'emplois créés annuellement, tout simplement, pour traiter du défi représenté par l'arrivée sur le marché des Africains. Ce serait l'équivalent de, si vous prenez la population du Mali et du Niger, prenez par exemple le Nigeria seulement, vous avez 2 millions de nouvelles personnes sur le marché du travail. Considérez des nombres beaucoup plus larges. Nous avons à peu près 14% de la population mondiale qui, d'ici 2025, l'Afrique aura 36% de la population mondiale. Avec quoi ? 1,2 milliard vers les 2 milliards, nous allons passer à 4 milliards. Le Nigeria va passer de 290 millions d'habitants à 450 millions d'habitants d'ici 2050. Suivant, la Chine, l'Inde, le Nigeria, et puis en quatrième position, vous aurez l'Amérique. Il faudrait que l'on pense en des termes fort stratégiques, il nous faudrait penser en termes basés sur une plus grande coopération, il nous faudrait penser en faveur du développé de nos marchés, bien sûr, il faudrait gérer la sécurité aux frontières, mais au nom de Dieu, il faut que ce soit mis en perspective, car si nous n'avons pas d'emploi, si l'on n'élargit pas le cercle de prospérité pour les économies mondiales, non seulement je ne parle pas des économies occidentales, ceci représenterait un très très grand problème qui serait ressenti à une échelle mondiale. Et là, on passerait plutôt de parler de tendances structurelles à long terme à des crises tangibles et avérées. Bien. Après avoir écouté tout cela, vous pensez en termes de sécurité au continent et votre engagement en ce sens. Quelle est la dynamique que vous aviez pu constater en termes des effets de ces phénomènes d'immigration sur la sécurité à l'intérieur de l'Afrique et comment est-ce que l'on collabore à un niveau interafricain? Qu'est-ce qui vous donne espoir et qu'est-ce qui vous donne une mesure de satisfaction? Je suis très heureux de laisser mes collègues distingués répondre aux questions et entrer à l'économie et au développement. Mais voyez-vous, à la racine de ce que nous sommes en train de voir au niveau de la migration, celle-ci ne constitue pas purement une préoccupation en termes de sécurité. C'est certainement, je dirais, que la migration irrégulière représente une préoccupation en termes de sécurité. Mais à la base, vous avez l'insécurité environnementale, économique, sociale, qui se trouve à l'origine, sévit dans les pays d'origine de ces migrants. Par exemple, nous avons un fort pourcentage des réfugiés qui ne viennent que de 9 pays du continent. 5 millions de réfugiés actuellement, 11 millions de personnes déplacées intérieurement et qui créent des préoccupations sécuritaires régionales. Au fur et à mesure que nous allons examiner ce phénomène, donc de notre perspective, je pense, et en tant que militaire avec un intérêt porté sur des questions sécuritaires de la perspective du commandement américain en Afrique, nous sommes à la recherche de partenariats avec des pays pour établir des partenariats
complet. Nous allons continuer à assurer un soutien et nous allons faire des choses qui servent principalement à soutenir les pays, à mener de l'avant leurs propres efforts et à aborder les questions ou les préoccupations qu'ils auraient identifiées. Ceci se ferait sur des motifs raisonnables, mais donc, du début à la fin, on aimerait le faire dans le cadre d'une organisation internationale africaine, mais aussi pour des organisations extra-africaines, pour ceux qui aimeraient engager de tels partenariats. L'un des soucis que j'ai, et l'une des raisons pour lesquelles nous avons des partenariats bilatéraux avec certains pays avec lesquels nous partageons des objectifs stratégiques, c'est la question du contrôle des frontières. Souvent, dans la communauté militaire, avec nos programmes d'assistance, nous avons tendance plutôt à aborder les symptômes et non pas les causes. Donc, avec les États partenaires, on se dit en fait quels seraient les effets à deuxième ou troisième palier de l'assistance sécuritaire que l'on assure dans cet environnement fort complexe. Et j'aimerais partager une anecdote avec vous, si vous le permettez, en ce qui concerne la frontière tuniso-libyenne, dont la sécurité a fort besoin d'être renforcée. Mais il y a aussi un effet à deuxième ou troisième palier auquel on ne pense pas nécessairement. C'est comment justement atténuer de tels impacts à deuxième ou troisième niveau. Vous avez bien sûr un trafic illicite qui se fait le long de la zone frontalière. C'est une économie en soi. Ça représente quelques 5600 personnes qui étaient impliquées dans le trafic de combustible sur la frontière tuniso-libyenne à quelques 20 millions de dinars tunisiens. Donc cette économie de contrebande qui a été créée tout simplement pour assurer le commerce illicite de ces produits. Alors nous avons réussi à rendre plus hermétique cette frontière et même à mettre hors jeu cette économie. Donc vous avez en fait les 5600 personnes qui sont engagées dans de telles activités, sont à la recherche de moyens pour satisfaire le besoin de leur famille. Et en voyant la migration de la Tunisie en particulier, c'est de tout simplement pouvoir vendre le peu dont ils disposent pour payer un passeur pour faire envoyer un membre de la famille qui lui se mettra au travail afin d'envoyer des virements à la famille qui est restée en Tunisie. Donc je vais clore sur cette question en particulier. Ceci vraiment souligne dans mon esprit toute l'importance du concept tridimensionnel que j'avais décrit auparavant, une diplomatie. En fait, c'est l'alliage de la défense, de la diplomatie et du développement pour que l'on sache qu'est-ce que l'on aimerait à rechercher, quel est l'état final recherché pour que l'on puisse tout mettre ceci en place, ou bien avons-nous tout simplement ôté quelque chose qui créerait des défis de sécurité ou bien des problèmes auxquels nous n'avons pas encore pensé lorsque l'on développe cette démarche 3D pour tenter d'apporter des solutions pertinentes et cohérentes à des problèmes fort complexes. Pourrais-je vous demander de nous dire davantage, de nous parler davantage du renforcement des capacités? Comment traiter les problématiques en matière de manque de renforcement? Travailler avec l'establishment militaire, avec les ministères qui sont impliqués, notamment dans les questions relatives au contrôle des frontières et le contre-terrorisme. Alors, où est-ce que ceci fonctionne ou est-ce que ceci ne fonctionne pas?
Bon, écoutez, c'est une très bonne question et probablement la réponse va dépendre de si oui ou non l'assistance en matière de sécurité fonctionne ou pas, ce qui est l'objet de beaucoup de débats en cours. Je pense que ce qui fonctionne le mieux, là où nous avons vu que ça fonctionne le mieux, c'est au niveau de l'équipe du pays. L'équipe pays, nous la définissons, et le personnel qui est affecté au niveau des ambassades des États-Unis dans les pays concernés, où on peut asseoir un vrai partenariat avec et coopération avec leurs homologues, avec le niveau militaire, politique, au sein même de nos ambassades respectives, travaillant de manière fort étroite avec les homologues des pays hôtes, où se trouvent ces ambassades, où ils essayent de définir les objectifs de cette nation et faire en sorte qu'elle puisse être incluse dans nos activités sur le théâtre et décider d'un point de vue. Et nos décisions, en fait, ne relèvent pas d'opérations militaires. En fait, notre effort décisif, c'est de mettre en place les moyens de renforcement de capacités tout en renforçant les partenariats. Ce qui fonctionne bien au niveau pays, ceci, bien sûr, permet d'identifier les déficits, les lacunes dont souffre tel ou tel pays pour ce qui concerne leurs besoins en termes de sécurité. Aussi, prenons-nous la décision d'équilibrer ceci et mettre en œuvre nos activités sur le théâtre pour essayer de réduire autant que se peut, que faire se peut, ce déficit. Ce processus, par la suite, passe à travers le prisme du Africa Command pour arriver à Washington DC, où un dialogue encore plus important se fera sur oui ou non soutenir de telles activités sur le théâtre. La vraie réponse simplement à votre question, c'est là où nous avons une relation en cours à l'intérieur du pays, à tous les échelons de notre engagement, et où ceci permet d'avoir un dialogue ouvert et continu qui permet de tendre l'oreille de manière active aux besoins, aux descriptions des besoins par les partenaires, et n'est pas plutôt imposé de l'extérieur, et nous n'essayons pas de définir les besoins pour les pays. Et donc nous recherchons des solutions afin de répondre aux besoins, satisfaire aux besoins, de sorte à ce que ces pays puissent réduire en termes de sécurité les lacunes dont ils pâtissent ou dont ils souffrent. Et ceci permet de procéder au renforcement des capacités du pays en question. Alors, permettez-moi de me diriger à l'ensemble d'entre vous ici. Est-ce que je peux avoir votre contact visuel avec vous, si je puis dire, et également le microphone vous seront donnés. Alors, peut-être, justement, si vous pouvez me demander la parole en me regardant dans les yeux, demande l'orateur, s'il vous plaît, ou le maître de cérémonie. Ça fonctionne. Oui, celle-ci fonctionne. Deux questions. La première à Paolo Maeri. Et une autre question à M. Zarwali. Alors, vu que les politiques ont été plutôt restrictives plutôt qu'intégratives en Europe à des degrés divers, avec les résultats dont vous avez fait état, quelles sont les perspectives, étant donné qu'avec le populisme de plus en plus important et l'hostilité affichée envers les migrants, comment voyez-vous justement l'intégration maintenant et surtout en avenir ? Dans l'avenir en Europe, avec cette connotation négative ou avec ce cadre négatif. Monsieur Zarwali, en fait, il y a également des préoccupations de plus en plus importantes de la part des Marocains concernant cette intersection entre des terroristes potentiels, tout particulièrement dans les camps, et d'autres acteurs. Comment pouvez-vous mieux sécuriser nos frontières au sud, au vu des événements que vous avez vus à Gargarat, au vu également de l'absence de coopération avec nos voisins, aussi bien algériens que mauritaniens. L'autre aspect de ma question est l'impact économique. Que voyez-vous comme impact économique de ceci sur notre commerce avec l'Afrique, qui est bien sûr en haut des points à prendre en considération de l'agenda? Alors, nous allons prendre un groupe de questions avant de redonner la parole aux intervenants. Alors, Tumesh Vetnanem, j'étudie à l'Université d'Oxford des études sur la migration. Je voudrais vous poser la question suivante. Il y a une grande diversité entre le Moyen-Orient et l'Europe. Et donc, les infrastructures de migration, l'organisation, les acteurs privés, etc., tout ceci a vraiment dépassé le rythme de la migration. Nous sommes arrivés avec plus d'intermédiaires, de contrebandiers, que plutôt d'autres types d'activités. Alors, ma question: là où il y a une mauvaise gouvernance au niveau national et municipal, le contrôle de la migration disparaît dans les méandres de la société civile. Autre chose que nous devons prendre en considération, c'est que la migration est une activité lucrative.
Donc, nous avons des problèmes au niveau de nos activités de contrecarre ceci. Alors, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire sur la manière dont vos pays traitent cette question et pour ne pas éviter en fait l'autorité que vous avez. En fait, l'équation en Europe, la question des frontières au sud, la question de la sécurisation des frontières méridionales ou du sud et également permettre au commerce de continuer à prospérer. Et puis une question finalement au niveau de la gouvernance et de la migration et le lien et comment quel est le lien avec cette migration de plus en plus croissante au niveau local. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander de continuer un peu sur la foulée des questions? Alors, je suis préoccupé, pour être réellement honnête avec vous, hautement préoccupé. Car le sentiment anti-migrant qui va avec les sentiments d'islamophobie ou d'anti-islam est en train de croître avec une résurgence certaine à travers l'Europe. Un certain nombre de recherches, je ne sais pas si c'est Reuters ou Bloomberg, qu'il y a quelques jours, cela a publié un nombre très très mauvais, très élevé, 60 à 70% de la population européenne ne veut plus de migration en ces terres, ni d'ailleurs de personnes, disons, musulmanes sur leurs terres et pays. Et je dirais que même si de nouveaux partis représentant ces sentiments n'ont pas encore gagné, n'ont pas encore vaincu, ne sont pas les gouvernants de ces pays, il y a encore des partis traditionnels qui sentent ceci de manière forte. Aussi, il y a un sentiment anti-musulman, anti-migrant, qui ne sont pas vraiment encore très prononcés en Europe, mais malheureusement, elles sont en train de percoler et de créer des émules dans plusieurs régions d'Europe. Il est donc un besoin pressant de réduire les afflux d'arrivée et j'espère que ce besoin urgent de mettre un terme à ceci, si c'est même une pause, n'implique pas, n'infère pas forcément qu'il faille faire des mauvais deals et qu'il faille faire le silence sur notre tradition en matière de droits humains, etc. Et ceci, bien sûr, en Libye, en Turquie et dans d'autres pays. La deuxième question tout aussi cruciale, c'est de commencer, et d'ailleurs nous avons essayé de commencer à coopérer et à coordonner dans ce sens. Mais sur ce front-ci, nous ne pouvons pas nous cacher d'ailleurs la réalité et le fait que lorsque nous parlons de coopération, nous sommes les porteurs de beaucoup de contradictions. En Italie, nous demandons une coopération européenne, mais nous ne coopérons pas à l'intérieur même de la famille. Il y a des luttes intestines, si je puis dire, entre les maires, les gouverneurs, les responsables qui demandent à d'autres régions d'accueillir des migrants, mais non pas elles-mêmes. Et nous nous en remettons à la coopération européenne. L'Europe demande à l'Afrique de coopérer, mais ne coopère pas intra-Europe. Alors que nous sommes ici en train d'avoir cette belle discussion, les leaders européens sont en train de se réunir à Bruxelles actuellement et sont en train de traiter la migration. Ils ne sont pas en train de trouver des solutions aux problèmes de long terme, mais plutôt en train de traiter du système de quotas qui a été décidé il y a 2 ans de cela pour prendre à bras le corps la question relative à la réception de 80 000 personnes par an en une année. Nous avons reçu 1 million, donc je parle de 80 000 par an. Aussi avons-nous décidé de coopérer et de redistribuer ce lot de personnes. Et 80%, à savoir le chiffre ainsi prévisionnel, soit 16 000 ont été déjà réaffectés. Chacun demande à ce que d'autres coopèrent avec lui, mais ne veut pas lui-même coopérer, ni d'ailleurs le faisons-nous à l'intérieur de nos propres pays / régions. D'autres aspects maintenant, justement les contrôles, plutôt je parlerai des frontières à l'Est, plus fragiles d'ailleurs que les méridionales. Depuis les années 70, le Maroc a bien compris que le danger pourrait provenir du désert, le danger pourrait être appelé désert. Aussi avons-nous compris dès le début qu'il nous fallait sécuriser nos frontières du Sud. Aussi, aujourd'hui, avons-nous un apparatus ou un système qui permet de bloquer toute infiltration illégale. La route migratoire de l'Afrique occidentale nous ramène quelques 100 000 migrants. Notre système arrête tel afflux venant vers le Maroc. Aussi,
la partie fragile, ce sont les frontières historiques. Pourquoi ? Parce que notre voisin de l'Est historique ne veut pas coopérer. Aussi avons-nous, de la même manière, mis en place, grâce à la technologie, des outils dits obstacles, et nous avons sécurisé ces frontières. Nous le faisons. Pourquoi ? Comme ceci a été dit, aujourd'hui, le crime organisé, transnational organisé, utilise la logistique. Auparavant, c'était le trafic d'armes, etc. Aujourd'hui, c'est la contrebande, également la traite des personnes, le trafic des êtres humains, et donc dissuader toute infiltration est notre objectif. Nous avons également des côtes qui sont scellées et qui sont bien protégées avec des ressources maritimes pour éviter toute pénétration depuis la mer, par voie maritime. Je pense que nous sommes dans la région une exception. Après la fin du régime de Gaddafi en 2013, nous avons eu une réunion à Tripoli sur les frontières, parce que alors nous avions déjà compris que l'arsenal d'armement depuis la Libye va s'évaporer et va peut-être tomber entre des mains non certaines, et il y avait problème alors. Et si un pays ne faisait pas son devoir, ceci a des impacts sur d'autres pays, si bien que plusieurs personnes n'ont pas les moyens, les ressources. Aussi, pour le Maroc au moins, nous avons essayé de faire notre part du travail et nous avons scellé, pour ainsi dire, rendu non poreuses nos frontières. Alors, puis, est-ce que je peux vous demander ceci ? Nous avons parlé de beaucoup d'éléments pour ce qui concerne les frontières, le foncier. Alors, la dimension maritime, où figure-t-elle dans vos plans ? Alors, la dimension maritime est cruciale et hautement éminemment importante. Donc les cinq alliances d'efforts, le Five Alliance of Efforts, a déjà mis en place un certain nombre d'activités contre le flux migratoire dans le golfe de Guinée, probablement l'une des cinq priorités actuellement sur lesquelles nous travaillons. Aussi, nous avons mis en place une assistance de forces de sécurité avec nos pays et nations partenaires, et ceci se fait de différentes manières, dont la moins importante, c'est justement former, assister et aider. Et nous avons cette présence d'agences au pluriel et Africa Command, notamment avec le savoir-faire, également les gardes côtiers et à travers le partenariat avec des nations pour leur permettre de renforcer leur sécurité maritime. Aussi travaillons-nous étroitement avec nos propres en raison du braconnage et également de la surpêche, et également à Africa Command. Nous disposons de quelques 50% de civils et seulement 50 ont sont des militaires de carrière. Aussi, nous considérons la question maritime comme étant également nécessite une approche non pas forcément que militaire. Aussi, essayons-nous d'intégrer le savoir-faire, l'expérience que nous ramenons avec nous. Nous avons également le département et également de la Homeland Security, la sécurité intérieure, et nous avons mené un certain nombre de programmes pour également renforcer la capacité de nos partenaires en termes d'enquête, d'études, lorsqu'il s'agit de sécurité maritime. Nous avons également le contrôle aux frontières, notamment à travers les douanes maritimes, notamment l'assistance portuaire au sein des golfs et également aux côtes de la côte est, également avec la Tanzanie africaine, certes, et pour aider à installer plus de sécurité par les forces nationales elles-mêmes. Et voilà donc Train Advisors, former, conseiller et aider également, est un moyen qui nous permet de mettre en œuvre et d'assister les forces de sécurité à travers des exercices. Nous avons également des exercices dits in focus qui sont menés par à travers l'assistance multilatérale, et aussi parfois avons-nous plus de 20, si ce n'est même 30 nations qui y participent, qui bénéficient dans le cadre de ce partenariat, notamment dans le cadre de la sécurité maritime, mais également au niveau de l'interopérabilité et également des activités prises par des navires à quelques 200 000, donc les zones économiques exclusives. Aussi, peut-être pour résumer ceci, ceci fait partie également de nos priorités. Nous utilisons une grande variété de moyens et de méthodes d'assistance pour essayer de travailler avec des nations partenaires pour asseoir, renforcer cette capacité en matière de sécurité maritime. Alors, justement, s'il vous plaît, un microphone. Thank you, Helga Flores Trejo.
Ancienne directrice exécutive de la Fondation. Alors, une question à Paolo. Pouvez-vous maintenant, après avoir décrit tout ceci, pouvez-vous nous donner les faits et les chiffres? 2 millions vis-à-vis 1,5 milliard. Pouvez-vous nous donner maintenant des faits économiques, à la fin également de ce que vous direz, sur ce que coûtent ou ne coûtent pas les réfugiés? Le problème, c'est, comme vous avez dit, c'est devenu en fait un outil politique pour vaincre aux élections, également le fait de jouer sur la peur, la crainte des gens, étant donné ce discours ou ces politiques, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et je voudrais également que vous puissiez réagir à ceci. Le rôle de certains maires, à savoir d'un côté, l'on traite du défi, mais également doivent être très réalistes plutôt que de créer la peur. Il faut reconnaître, admettre que ce problème peut être géré et qu'on peut faire intégrer les migrants. Par exemple, le maire de Palerme, Arlando, et l'on... D'aucuns ont dit qu'il faut régulariser ces personnes plutôt que de tomber, d'être des proies à la mafia. Je connais d'autres cas à Hambourg, en Allemagne, etc. Ces maires-ci, ces responsables également, ont pu réduire le problème. Est-ce que vous voyez maintenant des maires et des responsables municipaux qui prennent plus l'action et qui se font davantage entendre et dans le but de changer le récit et le discours politique? Alors, donnons la parole également, juste de l'autre côté de la salle. Vous avez un microphone, s'il vous plaît? Patrick Ward, merci, Ian. Monsieur Parodo, je pense que la migration, même si on réduit la migration et réduit à zéro, ceci ne va pas arrêter la vague d'islamophobie, de terrorisme, etc. Il y a plusieurs des fauteurs de troubles, entre guillemets, étaient des migrants de deuxième, troisième génération. Ils sont européens, ils sont nos personnes, mais qui sont différents et qui ont une religion différente. Et c'est ce que les partis politiques... ce sur quoi ils comptent pour alimenter davantage et rallier également d'autres personnes à leur cause. Donc, que pensez-vous de l'avenir? Nous savons que d'autres personnes vivant dans des régions qui ne connaissent pas, en fait, les migrants, ceux qui ont l'habitude de rencontrer, d'accueillir les migrants, n'ont pas cette crainte. Alors, ceci m'amène à ce mot-ci, Dubaï. Dubaï est un pays, un émirat où à population... musulmans, les 90% sont immigrants, seulement 10% sont musulmans, des hindous sur les 90% qui sont non seulement bien tolérés, bien accueillis, parce que le contrat social, le pacte social n'a pas été rompu. Ils ont été reçus, que ce soit par un portier d'un hôtel, ou également un vigile, ou un PDG d'une grande entreprise, et également l'ont permis également d'avoir l'éducation, mais également lorsqu'ils perdent de leur travail, on les invite à... si ce n'est de trouver un poste de travail dans les 3 mois, quitter le pays, et notamment avec un système de régime, d'obtention de visa. Est-ce que ceci pourrait être un exemple que l'Europe devrait voir de plus près, étudier, s'en inspirer, et de laisser venir les migrants de manière beaucoup plus facile, mais sur la base et sur le postulat qu'ils n'auront pas accès à tout ce que les Européens ont, mais le droit de travailler, d'aller et de revenir, comme bon leur semble, vers et depuis les pays, sans problème. Merci. Oui, bonjour. Ceci fonctionne? Bonjour, je suis Zainab. J'ai 2 questions. La première à l'attention de Monsieur Paolo. Ma question est comme suit. Comment évaluez-vous la quantité de fonds que vous utilisez et que vous affectez au programme au Niger? À titre d'exemple, le suivant, j'ai vécu à Agadez, Agdz, dans une zone de transit, et j'ai vu beaucoup de migrants. On les a menés au centre d'accueil, et après les avoir amenés par camion. Jusqu'à quel point vous contrôlez et vous supervisez ces programmes que vous lancez? Alors, pour ce qui concerne la fermeture des frontières, et également... le fait de fermer les frontières n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que ceci, malheureusement, tue l'économie locale. Alors, à titre d'exemple, la crise qui est en cours, à savoir le bassin du lac Tchad, Niger, Nigeria, les frontières, la DIF,
Diffa, lorsque les frontières ont été fermées entre le Niger et le Nigeria, ce qui est advenu, c'est que nous avons eu une crise dite urgence. On ne pouvait plus, au-delà de 18h30 à Diffa, sortir à l'extérieur. Donc, situation d'état d'urgence. Et qu'est-ce que vous en pensez? Merci à l'ensemble des orateurs. Merci. Alors, je voudrais, dans la même foulée, continuer sur l'exemple de Dubaï et mettre un peu l'accent sur la migration économique. Nous savons qu'en raison de la démographie galopante, la plupart des pays européens auront besoin justement de la main-d'œuvre. J'ai eu une conversation hier, discussion avec le ministre de Finances de Malte. Je sais que Malta est un petit pays, mais il nous a dit que nous avons besoin de ces migrations économiques, de ces migrants économiques. En réalité, je travaille à la Banque mondiale. Nous avons ce programme où nous soutenons, à travers lequel nous soutenons quelques 120 jeunes Marocains qui actuellement étudient de manière fort pratique en Allemagne. Et ils travaillent dans l'industrie hôtelière et je pense que ça donne de bons résultats. Telle enseigne que nous on a dit que l'Allemagne a besoin de chefs cuisiniers. Et voici comment on peut renforcer ce genre d'interaction. En cours d'ailleurs, vous l'avez mentionné plus tôt, la diaspora également. Et le Maroc vient de créer un événement. Ils ont créé ce qu'ils appellent les 13 régions représentant les Marocains et Ken de la diaspora, les MDM, les Marocains du monde, et qui ont réussi, qui peuvent également rapatrier la connaissance, la technologie et les utiliser au Maroc. Et donc, je pense. Il nous faut renforcer ce discours pour également avoir cette situation de migration positive en instaurant également un partenariat win-win que l'Europe doit soutenir. Alors je voudrais pendant une minute revenir à ce que le général a dit entre la Libye et le Nigeria. En fait, j'ai été responsable de ces pays, à ces deux pays. Et vous savez, on ne peut plus raison. Si l'on change la politique en Libye pour réduire les subventions, ceci va affecter les personnes, certaines personnes vivant dans certaines parties de Tunisie. Et maintenant, la question, c'est comment développer des coopérations sous-régionales, pas à travers de grands traités et contrats, mais la Tunisie, à titre d'exemple, nous a demandé d'autres personnels à aider la Tunisie à mettre en œuvre un programme en Tunisie, en Algérie, lapsus, excusez, plutôt en Nigeria plutôt. Alors, et tout ceci exige que nous puissions travailler encore ensemble au niveau sous-régional. Oui, s'il vous plaît. Microphone, s'il vous plaît. Va vous être donné dans une seconde. Marcus Faces de Brésil. Je suis vraiment surpris, Paul, d'écouter trois générations et encore trois générations au Brésil. Et vous êtes déjà brésilien, vous voyez. Et vous pouvez remonter dans le temps auparavant, si vous voulez vraiment avoir la nationalité, la naturalisation ou la double nationalité, c'était beaucoup plus difficile. Ils pourront être aidés, et notamment en soutenant le dialogue interreligieux et culturel, de sorte que la société puisse les assimiler, pour ne pas dire absorber plus facilement. Oui, je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions à mon intention. Plutôt attention, désolé. S'il vous plaît. Désolé. S'il vous plaît. Alors, je commence avec la dernière question. Lorsque j'ai dit troisième génération, je ne faisais pas référence à l'Italie. Hein. Nous n'avons pas deuxième et troisième génération. Le phénomène en Italie est beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. La problématique de deuxième, troisième génération, c'est plutôt en France, au Royaume-Uni et dans d'autres pays qu'elle se pose. Alors, par ceci, j'en veux que ces sociétés doivent faire l'avantage. Mais regardons un peu ce que nous avons pu voir. Auprès de ces nombres limités d'attaques terroristes, il y a en fait deux systèmes d'intégration différents. D'abord, le français et le britannique n'ont pas fonctionné de la même manière, ni d'ailleurs n'ont-ils produit les mêmes résultats actuels. Vous avez également fait état de si oui ou non les sociétés ou les associations de migrants devraient-elles avoir un rôle de soutien. Ben pour l'instant, il y en a qui fonctionnent, qui font du travail, notamment pour la migration licite. Le groupe dit Filipino ou de Philippins également est très actif. Le groupe de Boliviens, il en va de même. Mais ceci ne donne pas vraiment de bons résultats.
à la lumière du nombre d'afflux supplémentaires ces dernières années, par exemple pour les Philippines et la Bolivie, c'était un processus qui a duré assez long, qui a duré sur deux décennies. La problématique devient plus difficile lorsque vous recevez quelques 20 000 personnes en deux ans. Donc, il n'y a pas suffisamment d'associations pour les aider, les soutenir, et donc on ne peut pas renforcer nos capacités rapidement, et notamment de personnes venant en Italie, où il n'y avait pas de tradition migratoire auparavant, le Burundi d'un côté, ou les Philippines de l'autre, ou la Bolivie, et donc ils ont pu s'installer, être assimilés et jouer amplement leur rôle au niveau de la société. Pourrais-je maintenant passer à d'autres questions? Oui, les maires, les responsables municipaux sont des héros, sont des acteurs très actifs, devraient l'être du moins, mais par contre, deux problèmes se posent. 50% des maires n'acceptent pas les migrants. De telle sorte que le fardeau repose sur les 50% restants. C'est ce que nous avons dit auparavant, la coopération à travers d'autres canaux. Mais ils essayent de faire. Je vous avais mentionné le cas fort parlant de Palermo, de celui de Palerme. Celui de Milan également est important, notamment au sud de l'Italie, qui est la partie la moins développée. Et c'est là où l'institution, où l'activité institutionnelle est moindre. Et on peut le faire, même si on manque de force et de moyens financiers. Mais le problème auquel ils sont confrontés, c'est que plusieurs des activités qu'ils planifient entreprendre est tributaire d'un certain nombre d'autres acteurs et opérateurs. L'une des problématiques majeures, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent avoir droit à un travail aussi rapidement que possible. Mais à travers, bien sûr, les procédures de demande d'asile qui peut être chronophage, qui peut prendre un an, si ce n'est même plus, et qui doit passer par un certain nombre de procédures judiciaires et juridiques. Et entre-temps, ces personnes ne peuvent pas travailler. Aussi, un certain nombre de maires, de responsables municipaux ont essayé d'offrir des postes de responsabilité sociale, d'utilité publique. Et si on permet aux gens d'avoir un travail, de la même manière, on réduit la criminalité. Mais ce n'est pas tout que les maires. Les maires ne peuvent pas tout faire, même s'ils sont vraiment les acteurs qui peuvent faire. Vous avez mentionné Dubaï comme exemple possible à suivre. Écoutez, Dubaï, au début, la situation dans laquelle ceci avait été créé, il y avait bien sûr un boom, on ressentait un besoin énorme de recruter des personnes de l'étranger, ce qui n'est pas, par rapport à Dubaï, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il n'y a pas justement cet essor économique en Europe pour attirer des travailleurs de tout niveau, d'école blanche, d'école bleue, et notamment les manuels d'ailleurs non plus. Mais si vous avez, et maintenant que vous avez mentionné Dubaï comme exemple de régularisation, de systèmes réglementés pour recevoir des migrants. Oui, je concours avec vous parfaitement. Maintenant, comment y arriver? C'est ma question. Il faut avoir un système et une opinion publique, un grand public, alors quand nous avons un public qui est contre ceci, contre le droit politique et socio et culturel à donner à ces migrants. Bon, honnêtement, c'est encore moins que vous que je sais que ce que fait le Niger actuellement. Donc, je ne suis pas en mesure de commenter. Par contre, je reviendrai à ce que je disais auparavant. Il existe un besoin urgent également de réduire les afflux, et j'espère que ceci ne, et j'ajoute, ceci ne va pas malheureusement nous donner une situation où des accords seront signés à la va-vite, ne seront pas à l'intérêt ou dans l'intérêt des migrants que l'Europe à un certain moment avait été forcée de faire. Vous voyez, l'on m'a posé cette question encore et encore. Et le commentaire que j'ai toujours donné, et j'ai presque terminé, j'ai le privilège de ne pas gérer, diriger un pays. J'ai eu le privilège d'être un directeur d'un laboratoire de pensée, d'un think tank. Aussi, je peux dire des choses bien, moins bien, je peux critiquer tout le monde, mais je suis heureux que je n'ai pas à répondre de mes actes, notamment étant donné que je ne suis pas un gouvernant. Je suis d'accord avec vous. D'autres personnes voudraient prendre la parole. Alors, très brièvement, je vous donne la parole. Je vous reviendrai dans un petit moment. Je parle aux panélistes parce qu'il nous faut finir d'ici quelques 10 minutes. S'il vous plaît, soyez aussi bref que possible. Monsieur Mohad
Ziem de Brick Scholar du Maroc. Je souhaiterais savoir quelles sont les interventions que vous pourriez faire au niveau national pour justement lutter contre des phénomènes de désertification, notamment qui sont grandissants dans, en Afrique subsaharienne essentiellement. C'est une avancée importante de la désertification. Merci, je suis Zamba Désolélé. Professeur conférencier, maître de conférence à Johns Hopkins. C'est une question pour Monsieur Paolo. Au niveau européen, y a-t-il des efforts pour suivre un peu l'exemple des États-Unis? Aux États-Unis, quand un migrant arrive, notamment quand vous soumettez votre demande, il vous donne effectivement pour que vous puissiez, en tout cas il vous délivre un permis de conduire pour que vous ne soyez pas une charge pour les États-Unis, et si eh bien votre demande est refusée, eh bien vous devez quitter. Mais en tout cas, y a-t-il des moyens qui sont mis en œuvre pour alléger le fardeau budgétaire sur l'État en délivrant des permis provisoires? Merci. My name is... Et vous comprenez tout l'intérêt que j'ai à participer à ce débat, à la fois concernant l'immigration et concernant les questions de terrorisme. J'ai deux questions. La première, au collègue marocain qui a parlé de la situation au Maroc. Exactement cette préoccupation par rapport au retour des anciens d'Al-Qaïda, des anciens de Daesh, a été posée au forum de Dakar et elle se pose aujourd'hui à nouveau. Vous avez bien mentionné que le Maroc a pris des dispositions pour se protéger, mais est-ce que c'est suffisant que le Maroc se protège tout seul? Est-ce qu'il ne peut pas envisager une réponse globale ou sous-régionale, sachant que parmi les personnes qui vont revenir, il y a beaucoup de Tunisiens? Est-ce que la réponse nationale suffit? Est-ce que ce n'est pas un niveau plus élevé, plus régional qu'il faut envisager la réponse? Merci. La deuxième question, c'est au général américain. Vous savez qu'il y a eu en octobre, le 4 octobre précisément, une attaque sur la frontière avec le Mali. 4 soldats des forces spéciales américaines sont décédés avec des soldats nigériens. Et on a découvert qu'il y avait 800 soldats américains au Niger. Bon, le sentiment qu'il y a dans la population, c'est que que font ces 800 soldats? Il y a 800 soldats américains, mais le pays est régulièrement attaqué. Il y a 1000 soldats français, le pays est régulièrement attaqué. Il y a un sentiment d'incompréhension par rapport à votre agenda. Quel est votre agenda exact? Est-ce que c'est l'agenda du pays? Est-ce que c'est un autre agenda? Et est-ce que pour éviter justement qu'il y ait cette incompréhension, le mieux ce n'est pas de former suffisamment, pas de faire des formations ponctuelles, un exercice par semestre ou un exercice par an? Est-ce que ce n'est pas former massivement les armées nationales pour qu'elles puissent assurer la sécurité à la place de ces armées étrangères qui ont vocation à repartir tôt ou tard? Merci. Thank you. Merci. Right. We've got 5 minutes and lots of questions, but we're not... Beaucoup de questions qui nécessitent des éléments de réponse. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux questions qui ont été posées précédemment, n'ont peut-être pas... Bon, alors, la question de la fermeture des frontières. Je suis d'accord avec ce concept. Je ne pense pas que la fermeture des frontières soit la solution idéale. Moi, j'étais un jeune garçon, justement. J'habitais au Vermont, dans une petite ville à proximité du Canada. J'avais la possibilité, justement, d'aller très facilement à Montréal pour acheter et jouer avec des jeunes garçons et revenir justement pour les Canadiens, à inviter des amis canadiens qui venaient chez nous. Aujourd'hui, avec ces organisations criminelles extrémistes, malheureusement, n'ont pas de frontières, ils ne les respectent pas. Alors la fermeture de ces frontières n'est peut-être pas la solution, nous croyons fermement dans la coopération avec les amis, les voisins et les amis pour justement renforcer le contrôle à leurs frontières avec la reconnaissance, la surveillance, le renseignement et tenter de les aider pour avoir des frontières plus régulières ou régulariser plutôt, pas nécessairement la fermeture, mais plus, moins,
disons, éphémère en quelque sorte, avec des possibilités de mobilité des biens et des services, des personnes avec et en conformité des procédures de passage. Au niveau de la question de l'intervention militaire, je pense qu'elle doit être mesurée. Et les nations partenaires doivent garder à l'esprit cette dimension de construction institutionnelle, à savoir que nous avons par exemple un partenaire qui montre une volonté de progresser, de combler également quelques fossés. La reconnaissance, le renseignement se sont avérés être très importants, et puis jouer un rôle de conseil, non seulement au niveau de l'opération militaire, ce n'est pas la seule manière, mais peut-être eh bien, avoir ou venir en soutien en termes de conseil et de consultation, et non seulement d'intervention militaire. Quelques points, si vous le permettez. Moi, j'ai été un peu interpellée précédemment au fil de la discussion, à savoir que la prépondérance de des questions ont ciblé l'Europe, comme si l'Europe avait la recette magique au problème. Je ne pense pas que ce soit le cas. À mon sens, c'est un piège. Si l'Europe est un atout, certes, eh bien, si l'Europe pouvait apporter toutes les solutions, on serait dans une chimère, en quelque sorte. Ici, le point de départ, ici, c'est que la solution doit tourner autour de l'acceptation de la responsabilité des pays individuels, et notamment en Afrique, en grande majorité. Ça, c'est une position ferme à laquelle nous sommes arrivés au Nigeria, à savoir que l'Afrique doit endosser et accepter cette plus grande responsabilité, car en fait, les réformes structurelles et les politiques nationales doivent améliorer l'environnement des affaires, renforcer la coopération internationale. Notre collègue tout à l'heure et quelqu'un d'autre disait effectivement qu'il y a plus de 5000 kilomètres de frontières entre le Niger et le Nigeria. Nous pourrions améliorer tout cela en termes d'infrastructures, de coopération, facilitation de la promotion de l'investissement, de mouvement des personnes et des biens et des marchandises. Alors ici, le fait de croire que justement l'Europe a la petite baguette magique, eh bien ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Bon, il y a des choses que l'Europe pourrait faire un peu mieux ici et là, mais l'Europe n'a pas, eh bien, la baguette magique. Alors, si nous parlons de baguette magique, ici, on a une, elle réside en Afrique, elle vient de nous. Et ceci s'appuie sur les grandes économies comme le Nigeria, le Maroc, le Kenya, l'Égypte, le Sénégal, faire un peu plus que ce que nous faisons actuellement. Deuxièmement, il y a une question de mentalité. Nos leaders sur le continent, nos dirigeants sur ce continent, rappelons-le, doivent quand même s'atteler à se débarrasser de ces perspectives ou perceptions selon lesquelles il y a un Eldorado en Asie, en Europe. En fait, nous qui avons vécu très longtemps à l'étranger, cet Eldorado, nous le savons, n'existe pas et il est tout à fait éphémère et illusoire. Donc, nos dirigeants en Afrique doivent être un peu moins politiques. Bon, il y a les questions de démocratie, mais il devrait y avoir un leadership technocratique plus important pour raconter les récits, à savoir que les anges sont chez nous, sont en introspection, ils sont chez nous et non pas de l'extérieur. Et puis la question de la gestion des frontières, des îlots ici et là, donc des identités scellées, emmurées, ceci m'ennuie, ceci me pose problème. Regardez le Maghreb, j'ai beaucoup entendu les commentaires précédemment, notamment de la session précédente. Alors, la zone de potentielle croissance se situera en Afrique subsaharienne. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos amis et frères nord-africains sont en train d'essayer d'arriver aux communautés
régionale subsaharienne comme les comme la CEDAO que nous accueillons et appelons de nos voeux. Et à un moment donné, il va falloir arriver à un seuil d'arriver à arrêter l'infiltration sur plan sécuritaire, bien entendu, mais d'autre part, les contreparties commerciales sont très importantes et qui promettent d'accéder aux communautés régionales, la subsaharienne, où réside la richesse, à mon sens, c'est l'avenir. Donc, restructurer la coopération, améliorer le leadership, moins politique, plus technocratique. Et Dieu, il faut, je vous en conjure, essayons de nous détacher de l'Europe, de la solution qu'ils doivent apporter miraculeusement. Ils font partie de la solution, ils ne sont pas le problème. Merci. Bien, pour revenir à la fermeture des frontières, nous fermons la frontière à la face des criminels. Mais nous donnons la possibilité aux populations de continuer à vivre leur vie. Nous avons des partenariats avec les autorités et les populations. Sans l'aide des populations, nous ne pouvons faire et déployer nos travaux et notre activité de sécurité de manière appropriée et sûre et réussie. Donc nous fermons les portes aux criminels. Je pense que plus de 60 à 70% des flux migratoires se situent au sein de l'Afrique et à l'intérieur de l'Afrique. Nous savons comment gérer. Sa Majesté a présenté une feuille de route récemment pour avoir et mettre en place une stratégie africaine. Alors on ne peut plus désormais réfléchir selon la théorie de l'aquarium, mais plus amplement et de manière élargie. Sa Majesté a présenté cette feuille de route qui, si elle est mise en œuvre, on ne jouera plus désormais eh bien, ce rôle de victime vis-à-vis de l'Europe. On prouvera qu'on pourra gérer nos propres problèmes. Pour terminer, la migration n'est pas un problème auquel nous devons trouver des solutions. La migration est une question de dimension humaine que nous devons de gérer et qui durera à long terme. Tout ce que nous aurons à faire, eh bien, c'est d'atténuer les effets négatifs de la migration. Merci. Bien. Alors, la question, est-ce que ne devrions-nous pas suivre la politique migratoire américaine? Alors, si on doit suivre la politique migratoire, cela veut dire construire eh bien, plus de murailles, introduire les interdictions de voyage, limiter. Et ma réponse est possiblement non. Et j'espère en tout cas que c'est le cas. Non. Par contre, si la question que vous aviez évoquée concerne eh bien, la mise en place d'une approche plus régulée à la migration, la réponse dans ce cas serait manifestement oui. Nous, ce dont nous avons d'ailleurs besoin, quelques critères pour accéder à des pays pour pouvoir justement répondre à la demande et à l'offre. Par contre, ce qui complique un peu cette données, notamment en Europe lors des dernières années, c'est qu'il existe une grande confusion entre les faux migrants et les c'est-à-dire ceux qui sont à la demande d'asile et les migrants économiques. La plupart des migrants qui arrivent à Lampedusa se présentent comme demandeurs d'asile. Et puis, ce processus est beaucoup trop long et peut prendre 2-3 ans pour finalement se voir dire non. Alors, on ne peut sélectionner, étant donné qu'au titre du droit international, vous devez les accepter et vous êtes obligé de le faire. Alors, ça prend du temps pour traiter ces demandes et on ne peut procéder à un processus de sélection. Et on ne peut aujourd'hui avoir ce flux migratoire de personnes que l'on ne peut contrôler et y ajouter une organisation ou un système organisé formel. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait viable, faisable à ce stade. Mais vous avez si bien dit, arriver à un système régularisé, c'est ce dont parle l'Europe et ce que réclame l'Europe, mais c'est difficile à mettre en place. Merci beaucoup. Je vous demanderai de vous joindre à moi pour remercier le panel pour leur enrichissement. Merci à vous tous de vous être joints à nous. Et voilà, donc je vous invite à la pause déjeuner. Merci. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Please enjoy your lunch. We will reconvene at 2:00 sharp.